Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. On va voir ensemble un tour de petits paquets qui va demander un petit peu de travail, de coordination, d'enchaînement on va dire. Cette semaine, c'est réservé aux membres premium, forcément. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de cette vidéo. Pour les résultats du tirage au sort du concours de la semaine dernière, eh bien, il faudra vous rendre directement sur la vidéo de la semaine dernière. Vous verrez que le commentaire du gagnant sera épinglé et voilà, je l'aurai déjà contacté. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, TikTok et également mon école de magie en ligne, tutomagie.com, pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués. Il y a plus de 200 vidéos et j'en rajoute régulièrement. N'hésitez pas à aller fouiller tout ça. Merci à vous tous pour le soutien et place à la démonstration. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo, donc j'utilise ici des cartes Phoenix, quelques cartes, je les ai sorties au préalable, en fait j'ai sorti les 4 dames et les 4 as, mais on aurait pu utiliser vraiment les cartes de votre choix, peu importe, on n'est pas obligé d'utiliser des dames. L'idée c'est de vous présenter les dames une par une, donc ici la dame de carreau, ensuite on a la dame de trèfle, la dame de cœur et la dame de pique. Les as, on les laisse par-dessus et on va donc prendre nos 4 dames juste ici, qu'on va laisser sur la table en main, on va tout simplement garder les as. Et l'idée, ça va être très simple, c'est de faire passer les dames vers les as de façon vraiment invisible et très rapidement. Je vous montre, comme ceci, une par une. Hein. La première, on tape une fois et on claque une fois des doigts. Et croyez-le ou non, mais il y a la première dame, elle est passée. Hein. On se retrouve avec une dame et forcément les 3 autres as dans les mains. On le refait pour la deuxième. Deux dames, on fait 1, 2, on claque 2 fois. 1, 2. Et là, on compte une dame et deux dames. Ça marche. Pour la troisième, on tape 3 fois. 1, 2, 3, et en claquant des doigts. 1, 2, 3 fois. Croyez-le ou non, mais maintenant on a un as et forcément en main que des dames, hein, les 3 dames. Pour la dernière dame, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, et du coup, 1, 2, 3, 4. Et là, on se retrouve avec une dame, deux dames, 3 dames et 4 dames. Vraiment, c'est instantané, ça passe tout seul. Et vous doutez bien que si je claque des doigts maintenant ici, que je récupère, eh bien oui, forcément maintenant, dans les mains, on a les 4 as. Ah non, il y a une dame, deux dames, 3 dames, 4 dames. Même problème, là, sur les 8 cartes, 8 dames. Ouais, là, il y a un truc qui cloche.